Yop les potes, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour ce tuto là. Et bah voilà, on va faire l'escalier qui est derrière moi. Bon ça c'était, normalement je vais vous faire un tuto là dessus Mais comment dire, elle est cassée. Voilà, je suis en train d'essayer de la réparer. C'est une porte, tout bonnement 4x4, voilà. Un peu cassée, bon elle se ferme correctement. Bon, bien sûr les couleurs je les ai mises là comme ça, mais il y a un problème de piston, de double piston extender que je vais essayer de régler là-haut. Mais ils les font, mais c'est de temps en temps quand ils veulent. Du coup, on va faire ce petit système. Donc, du coup, je l'ai mis un peu à l'ouverture. Et donc, du coup, c'est l'escalier qui sortira du mur. D'ailleurs, j'ai oublié de détruire mon ancienne structure. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe à ça. Et oui, désolé pour ça. Je ne voulais pas que ça arrive. Bref, aujourd'hui on va faire un escalier. Alors du coup pour l'escalier, donc forcément qui dit escalier dit forcément monter. Donc on va monter avec mes escaliers. Tac, hop, hop, tac. Escalier de 4. Voilà. Donc on imagine que ici par exemple on a un mur de, allez, à disons 3 de hauteur. Voilà. Allez hop, un petit mur, bien tranquillou, hop, petit système. Voilà, donc on veut que l'escalier sorte du mur, entre guillemets. Enfin, c'est mieux quand même de mettre un peu plus de hauteur, sachant que l'escalier est quand même assez grand. Voilà. Et voilà. Donc là, moi j'ai utilisé plusieurs blocs. Alors déjà, vous devrez prendre des escaliers. J'ai oublié de vous présenter ça. Donc il y aura des escaliers à prendre, il y aura des blocs quelconques, voilà. Piston collant, redstone, poudre de redstone bien sûr, torche de redstone, levier et répéteur de redstone. Le reste, bon ça, ça c'est deux trucs, la terre et le disque, ça sert à rien. Donc du coup, on va utiliser tout ça pour faire un joyeux système bien sympathique. Et d'ailleurs, moi là, je me suis un peu fourré le noix dans l'œil. On va faire ça comme ça. Hop, ici, il y aura un petit piston. Voilà. Ici, du... non, c'était là le piston. Ouais. Ah bah ouais. Je me fous le doigt dans l'œil tout le temps. Voilà. Oui, c'est ça. Ici, vous allez mettre deux blocs avec de la poudre de redstone dessus. Ici, une torche de redstone pour déjà activer tout ça. Donc voilà, donc là, on aura. Je vais faire l'escalier quand il sera ouvert, bien sûr. Du coup, ce qui nous dit qu'il y aura un levier là. Non, pas là en fait. Là, pour inverser, tout simplement, pour faire. Je crois que ça va m'énerver. Désolé pour cet énervement. On va faire après la beauté du truc. Regardez la beauté du truc. Donc là, voilà. Donc quand on appuiera sur le levier, voilà. Donc ça va se rétracter et du coup ça va se remettre dans le mur tout simplement. Donc c'est le résultat voulu. Alors, hop ici. Vous allez mettre deux blocs comme ça. Quinconce, voilà, ça va faire un truc comme ça. Mais ici, vous allez mettre un repeater. Alors sur un tick, enfin sur deux ticks. Voilà, vous allez. Vous appuyez une fois dessus, tout simplement. Alors après, il faudra mettre ici, comme ça, avec une poudre de redstone. Oui, c'est ça. Torchetta, une torchetta ici. Ici, il y aura un bloc là, voilà, de la poudre. Il est où mon repeater? Repeater sur 3 tics, voli. Ici, il va falloir le lever, voilà, d'un bloc. Donc ici, on va faire le double piston extender, tout simplement. Donc là, il y aura un piston, et là, il y en aura un autre. Voilà, donc là, c'est le double piston extender. Donc normalement, si je le désactive, nickel. Donc là, en fait, ce que je viens de faire l'histoire du double piston extender. Très, très basique, de toute façon. Donc voilà, donc ici, on peut éteindre. Et oui, il a bloqué, hein, c'est normal. Hop, voilà, vous recliquez si jamais ça a bloqué. Et du coup, là, faut que ça avance. Donc, à peu près, faire un truc comme... Bah j'étais sûr. Bon, allez. Salut, escalier. Je t'aimais bien, mais bon, là, va falloir que je te détruise. Oui, non, voilà. Donc, si on récapitule, normalement, là, c'est bon. Donc, notre escalier est nickel. Bon, c'est vrai que le levier, il faudrait que...
Y a moyen de le ramener, hein, bien sûr. Mais là, on va le laisser comme ça, parce que voilà, je vous présente comme ça le système. Après, vous en faites votre usage. Vous pouvez bien sûr le relier à n'importe quoi. Et ben voilà, en fait, tout simplement, c'est quand même un petit système bien sympathique. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire comme ça. Voilà, donc comme ça, vous avez au moins accès à votre levier. Et vous pouvez ouvrir ou fermer votre escalier. Tout simplement, là, il a. Voilà. Et puis, vous pouvez monter. C'est très basique parce que c'est quand même assez sympa, hein. Vous montez, et puis voilà. Donc, récapitulons ce petit système. Voilà, ce système. Alors, ce petit système se compose de tout simplement. Alors, vous mettez les pistons, enfin, les escaliers, tels quels. Voilà. Je vous aide à visualiser. Voilà. Voilà. Donc, les escaliers comme ça. Ok. Sur le premier escalier, d'ailleurs, c'est vrai que ça, on n'est pas obligé, c'est vraiment pour vous présenter le système. C'est vrai que de ma part, c'est pas très intelligent. J'avoue que là, hop, voilà. C'est vrai que j'ai pas été très fut-fut, mais le système se fut très rapide en fait. C'est pas un système en soi très compliqué. Et donc, du coup, voilà. Donc, vous posez comme ça les escaliers. Hop, à la suite de l'autre, voilà, tout simplement. Ici, après cet escalier-là, vous laissez un bloc et vous posez directement votre piston collant. Bien sûr, on n'utilise que des pistons collants. Ce piston collant, il va falloir l'alimenter pour qu'il soit poussé. Mais à l'inverse, quand on allume le levier, tout simplement, à l'inverse, il devra se replier. Voilà. Et donc, du coup, pour ça, il existe la fameuse torche de redstone. Bon, par contre. Il y a un problème de piston extendeur. Je sais pas, ça a fonctionné. Bon. C'est vrai que sur Bedrock, ça fonctionne pas très bien. Sur Java, je sais que ça fonctionne super bien. Mais là, l'autre là-bas, j'ai pas de problème. Donc, du coup, on récapitule. Donc, du coup, c'est comme ça. Ici. Voilà. Donc, on va venir là avec une torche de redstone et deux poudres de redstone. Parce qu'en fait, ça va activer comme ça. Mais là, regardez, ça fonctionne. Voilà, c'est bon. Voilà. On est sûr que ça fonctionne. Voilà, je vous l'ai refait. Voilà. Donc, tout ça, c'est censé fonctionner. Et non pas cassé. Voilà, donc comme ça ici. Voilà. Au-dessus, vous pouvez mettre directement en cliquant. Enfin, voilà. Il faudra mettre ce petit levier. Tout simplement, très pratique. Parce que si vous le mettez pas, bah, voilà. Ah, je suis en train de le poser. Non, un bouton, non, c'est pas pratique un bouton. Sinon, il faudrait faire un truc spécial. Donc voilà. Ici, en quinconce, vous allez poser un node repeater, du coup, avec deux ticks. Voilà. Tout simplement. Puis là, voilà, donc une poudre de redstone au-dessus du repeater. Vous avez posé une torche de redstone au-dessus ici, voilà. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Voilà, ici vous mettez du coup la poudre de redstone, voilà, tout simplement deux sur deux blocs. Ici, un petit repeater sur trois tics. Et puis vous avez juste à placer les fameux pistons. Voilà, tout simplement. Ici, faudra juste penser à savoir que lui, il faut qu'il pousse et eux, il faut qu'ils poussent aussi. Et puis voilà pour ce petit système, mais vraiment très basique parce que voilà, vous avez l'escalier comme ça et puis vous ouvrez votre escalier et puis vous pouvez monter, voilà, tranquillement, sans problème. Après, il y a moyen de faire un système de sécurité comme j'ai déjà fait à peu près vers là-bas. Voilà, j'ai réussi à faire un moyen pour que ça annule, entre guillemets. Bah, l'arrivée tout simplement. Donc en fait ici c'est comme si là je mettais un bloc ou quelque chose de ce style là que je bloque et qui n'apparaît pas bien sûr. Et puis voilà, voilà pour ce. En fait c'est un petit système bien sympathique qui peut être sympa dans votre petite survie. Bon, en plus il utilise vraiment pas beaucoup de blocs, hein. Franchement, bon, il y a juste les pistons qui sont peut-être un peu chiants à fabriquer, la redstone qu'il faut trouver. Mais en vrai, bon, une fois qu'on l'a, on est assez content parce que finalement, bon, bah, on voit ça, on sait pas que c'est des escaliers. Après, c'est vrai que vous pouvez faire venir, vous mettez une colonne de piston équivalente à la hauteur de ça, et puis hop, vous activez le tout. Et puis voilà quoi, donc vous activez, vous activez, vous activez quoi, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Regardez, hop, hop. Ah oui, mais là, moi je suis con, parce que ça va désactiver celui-là. Et oui, Germain. Bah ouais, mais ça, je le connais, ça. C'était ma chance.
Et voilà, bon, après, bon. Voilà, et du coup, ça cache votre escalier. Et au pire, bon, il y a le mur qui continuerait ici, voilà. Enfin, voilà, qui emmènerait là au bouton. Donc, du coup, on fait un truc comme ça. Mais voilà, franchement, bon. Il y a tellement de moyens pour trouver comment faire. Voilà, tout simplement. Bon, sinon, j'espère que ce petit tuto bizarroïde, on va dire ça comme ça, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez bien un petit like, voilà, pour soutenir. Et tout, et tout. Et puis voilà, moi, je pense que je vais vous retrouver la prochaine fois. Alors, le prochain système, c'est vrai que bon. Je sais ce que je vais faire. Mais est-ce qu'il pourrait peut-être vous intéresser? Parce que c'est vrai que, bon, là, tu vois, on a ramassé ça la dernière fois. Bon, ça, c'est pas sûr que je vous le présente. C'est vraiment, vraiment. J'ai pris une demi-heure à le faire, je vais peut-être pas vous le présenter. Et en plus, c'est cassé. Donc, du coup, alors, qui pourrait vous plaire, justement. Alors, on casse un peu tout ça. Excusez-moi. Voilà, ça va être mieux. Pardon. Et on va passer, en fait, du côté de l'armurerie, je pense. Et on va aller. Vraiment sur quelque chose, alors désolé parce qu'il y a la lumière en attendant qu'elle se fasse. Et en fait, je comptais vous faire ça pour le prochain épisode, tout simplement. Une armurerie interchangeable. Mais vraiment sympathique, hein. Genre, vous appuyez sur un bouton, il y a toutes vos armures qui changent de place. Par exemple, vous voulez mettre, je sais pas, des armures. Bah voilà, vous voulez mettre une armure, tiens, je veux une armure full, je sais pas, full netherite. Allez, elle est où Ah voilà, elle est là, full netherite avec l'épée netherite et tout, voilà. Donc après, bon, c'est vous qui voyez, mais moi on va faire du coup cette armurerie trop classe. Moi je vous dis, c'est vraiment l'armurerie la plus classe que j'ai faite. Et franchement, il y a moyen qu'elle vous plaise de toute façon. Et puis voilà, ça sera pour le prochain épisode. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, bah, n'hésitez pas à mettre un like comme je vous ai dit, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bah, l'armurerie trop classe. Allez, c'était Benny Sal. Ciao tout le monde!